Les semences sont plus qu'une matière, c'est-à-dire que c'est un symbole extraordinaire, parce que quand on examine les semences, une simple graine, un grain de blé peut nourrir l'ensemble de l'humanité. Par le pouvoir de reproduction, par ce pouvoir de l'énergie de la nature, c'est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème, c'est que cet héritage-là est maintenant atteint d'abord par des manipulations qui le remettent en question, et puis aussi par un système qui a confisqué au genre humain la semence. L'avantage de l'article 11, c'est de permettre aux associations de donner, d'échanger, de vendre des semences du domaine public. Le prétexte de ce recours est que l'article 11 créerait une différence de traitement entre les acteurs du secteur semencier et les associations du secteur semencier. En ce qui nous concerne, nous ne voyons pas les choses de cette façon. Nous pensons plutôt que c'est pour mettre à nouveau la main sur ce patrimoine vivant et reproductible de l'humanité. En raison des enjeux très importants qui sont en cause, je demande aux membres du Conseil constitutionnel de bien vouloir maintenir l'article 11.